Salut YouTube, découverte du DLC de Monster Train, nouveau clan, True Last Boss. On va essayer de voir ça, on va essayer de découvrir ça. C'est parti directement, partie standard. Découvrons, nous avons ce peuple vert. Restez le peuple vert reclus. Et on va prendre quoi avec? On va prendre des Stygiens. Alors, défi expert, j'imagine qu'ils ont rajouté aucun défi. Il y en avait déjà plein. Et puis voilà. Et puis on va lancer ça et voir ce que c'est niveau 1 et tout. Et voir les nouvelles différences. Alors. Donc Séraphin le Tempérant, Talos et Arcus. Donc ça ne change pas pour l'instant. Je sais qu'il y a un boss final qui est disponible. Je sais pas comment on le débloque. On va peut-être vouloir le découvrir. Alors les cartes départ du clan ont imprégnation. Une carte de chaque pack de tirage aura imprégnation. Lorsque je joue le niveau actuel gagnera 1. Je sais pas ce que c'est l'imprégnation. Je parle pas pour l'instant, on va essayer d'améliorer le champion. Alors, donne des échos chargés. Ajouter échos chargés en jouant des cartes avec imprégnation. Le peuple vert utilise pour renforcer ses spells et ses capacités. Il peut dépasser la valeur, mais le surplus sera retiré à la fin du tour. D'accord. Alors, se déclenche que vous obtenez de l'inspire de des échos une fois par truc. Et qu'est-ce que c'est fauchage? Subit un dégât par cumul à la fin du combat, ne diminue pas. Écoutez, on va essayer ça. Je suis un peu perdu pour l'instant. Alors, pareil, nouveau artefact. Lorsqu'en plusieurs sont ajoutés, infligez fauchage une tenue de fou. On va cliquer mandibule. On va voir c'est quoi les cartes. Donc, imprégnation fauchage, imprégnation fauchage. Et les stewards. Bon, pas beaucoup de changements là-dessus. Alors, bim bim, ça y a rien qui change pour l'instant. Pas de problème. Alors, collecter les échos chargés pour renforcer les unités du peuple vert. J'espère à la fin du tour. D'accord, donc il y a ça. Jouer des cartes avec une concentration pour ajouter à ce niveau verde. L'artefact départ. On fait un prédestin au quart départ, une carte par tirage. D'accord. Bon, voilà, il suffit de le lire dès le début. Donc, ça s'en met ici. On met ça là, tranquille. Et du coup, on va mettre des fractures. D'accord, à la fin du combat de 10 000, c'est énorme. Et du coup là ils vont prendre les dégâts tout seuls, parfait. Donc lui vient là. Et du coup c'est un nouveau. Ok. Et du coup ça ne diminue pas. Ok. Donc puisqu'il y a 3 x 2, ok. Je suis pas sûr de tout à fait tout bien comprendre, mais ça a l'air assez tranquille pour l'instant. Il est mort. C'est marrant, il y a des éclats partout. Ok, ça permet de charger. Bien. Donc, ici, il meurt tout seul. On va essayer de refaire imprégnation fauchage. Donc, les points de dégâts sur tout le monde. Très bien. Assez tranquille, renvoie un sort détruit de votre pioche. Plus 5 par imprégnation. Ok, 0-1 de place. Destruction, confère 2 armures. Par une taille. Oh, fort! Donc en fait, c'est un nouveau truc qu'on booste. Bon, après glaciation éternelle, on connaît le bail avec l'éclair. Alors ici, nouveau unité du peuple du vert. On va aller voir par là. Tiens, est-ce que la map a changé ou pas? D'accord, pour l'instant, la map n'a pas changé. J'imagine qu'il faut débloquer d'autres trucs parce que je sais qu'ils ont rajouté des ressources et d'autres choses. Coquille, c'est quoi coquille? La fin du tour enlève des niveaux pour retirer une coquille. Lorsque les fils, l'unité sera en éclosion. Avant qu'on voit ce que c'est ce nymphe. Proche parent, MDR. Gravure, lorsqu'une carte est consumée à ce niveau. D'accord. Ah, consumer, ça fonctionne avec avec les laquais. Intéressant. On va faire ça pour voir ce que ça donne. Alors, on veut que ça coûte moins cher que gratuit. On n'aime pas quand ça coûte des sous ici. On va purger une carte. Les lances. Pour voir. Allez.
Armure 10, on devrait s'en foutre, c'est le début du jeu. Tranquille. Juste veux bien lire s'imprégnation. Alors, fauchage, l'unité subit un point de dégâts par cumul à la fin du combat. Donc c'est une fois que tout le monde a tapé. Ok. Là, du coup, si on fait ça, il y aurait rien. Donc, on peut faire lui là. Ok. Alors, donc, si j'ai bien compris ici et qu'on fait ça là, eux ils meurent pas parce qu'ils ont trop de points de vie, mais c'est tout. Très bien, j'ai compris l'idée. C'est bon, j'ai compris comment ça marchait. J'ai mis un peu de temps. Comprends vite, mais il faut l'expliquer longtemps à lui. Ok, tout le monde meurt, pas de problème. Alors, donc ici on peut faire ça là-dessus. Alors c'est marrant, attendez, du coup par contre juste, je suis pas sûr d'avoir bien compris, on va juste aller en normal pour voir bien comment ça se passe avec le fauchage. Il prend pas les points de dégâts. Donc est-ce que la fin du combat c'est quand il monte? D'accord, donc effectivement t'as le côté où la fin du combat c'est vraiment quand il monte à l'étage supérieur. Oui, ok, c'est vraiment quand il monte à l'étage supérieur la fin du combat. D'accord, donc c'est pas si fort que ça. Parce que là, typiquement... Il prend les 8, d'accord, il prend pas les 16 là, ok. Et il prend autant qu'il y avait de cristaux, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai bien compris, c'était le temps que ça monte à mon cerveau. Il y avait 3 lignes de texte, hein. Donc extraction de 1. Fait perdre après avoir choisi... Carte, si vous ne pouvez pas ce qu'après jouer, d'accord. Pardon, des points de vie. Harmonie, multiplie les effets de puissance magique par 5. Ah oui, ok, je vois comment ça marche. Ok, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. On devrait réussir à faire pop les monstres maintenant. Invoque deux unités volant démarrer. Ah, énorme. Ah, j'ai beaucoup de carapace de sphère. Ok. Dupliquer, pas besoin de regagner des points de vie. On va voir ce qu'on peut dupliquer. Bonsoir, Kit à 21. Merci, Nemoc. Yo, pour le 15e mois avec Gaming Prime. Merci. Alors, c'est effectivement à peu près le seul moment dans l'année où vous pouvez spam l'emote train. Ah, et il boost. Intéressant. Oui, d'accord. Il y a des boosts entre les deux. C'est ouf. Du coup, ça imprègne les autres cartes. C'est cool ça. C'est cool. Alors le marteau plus 1 plus 3 niveau aléatoire, c'est fort. Faire le plus 1 chaque niveau avec le marteau là. Allez. Voilà le premier boss. Du coup, moi ce qui m'intéresse pas, c'est de trouver le trou là, ce boss. Enfin, on est là pour ça. Un trou last boss. Alors rage 2, on s'en moque. Très bien, donc j'ai compris comment ça marchait maintenant. Ok.
Voilà, après le deuxième truc là. Bon, il meurt toujours, mais au moins tout le monde meurt. On va mettre ça en attendant. Eh, elle tape, elle, zut! J'ai oublié que Talos elle tapait. Aïe aïe aïe. Bon, mettre en rapide. Et tout le monde meurt grâce à l'autre. Très bien. Il a plus de mana, terrible. Allez. Notre froid est inébranlable. C'est noté. Et là du coup j'en ai plus, d'accord. Ici. Pourquoi ils prennent pas les dégâts? Parce qu'il n'y a pas d'imprégnation à ce niveau. D'accord, et si je fais ça, là ils prennent les dégâts. Ok, j'ai compris. Et du coup après il les mange. D'accord, c'est bon. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longuement. Et là du coup il va manger les deux imprégnations en bas pour se transformer plus tard. Excusez-moi. Pourquoi il y a un vivarium derrière ton héros? Parce que j'essaye de le... De faire la coquille pour qu'il se transforme en fait. Il faut lui faire manger encore 3 éclats, puis après il se transforme en truc vénère. J'ai mal joué et tout le monde va mourir. Non mais j'ai compris, mais il m'a fallu longtemps, mais j'ai compris. Voilà sa dernière vague. Et là il reste les trucs. Mais oui c'est ça. Oui mais j'ai pas compris au début en fait. J'étais teubé. Pardon la commu hein. J'ai été débile. Et en fait c'est ça. Tu mets tes cristaux à chaque niveau. Mais bien sûr. Mais non mais si. Mais en fait c'est simple. Mais j'étais nul. Non c'est simple. C'est simple. C'est moi qui étais nul. Et là du coup 12 x 2 48. Bah oui parce qu'il y en a 4 x 12 48 évidemment. Évidemment, c'est dur d'être moi des fois. Et là du coup il prend 12 x 0 parce qu'il n'y en a pas. Très bien, et en fait faut pas le faire avec le gel. Terrible. Et là il y en a 1 16, c'est ça. Mais non, si c'était très simple, il fallait juste que je comprenne très vite. Mais c'était très simple. Oh la vache, ouf. Là c'était un boss différent qui avait été rajouté gratuitement avant. C'est pas le Troulas boss. Ok, c'est pas mal. Imprégnation. Peut-être un spell lancé. Petit graveur d'âme fragmenté. Et là on va prendre un peu plus de mana. Je manque de mana. Alors on va pouvoir retirer des cartes, une bannière, un arteau, on va faire ça. On va retirer les cartes un peu nulles, l'engelé et... Une amélioration supplémentaire, 3 puissance magique, on prend 3 puissance magique, il faut qu'on ait déjà pas de place pour améliorer. Coquille huile, le nymphe, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, en mettre en place pour l'instant. Et la carapace autosphère, on va tenter. Un fil chaud, stage 3. On va faire ça. Chef épine. Et boum. Alors, pas d'épine en plus. Pour le moment. Là. La salle change de tronche côté des cristaux. Tout à fait. Plus t'as de cristaux, plus ça change de tronche. Donc on peut faire 1. 2. Ok,
QQ. Et du coup, il est plus fort parce qu'on avait des trucs là. Ok. C'est bon, on a compris le bail. Ici, on veut rajouter des trucs, donc on fait ça là. Voilà, on va donner de l'armure à tout le monde. Un monsieur comme ça là, un monsieur comme ça là, et basta. C'est quoi ce cafard jurant? Ce boost, plus t'as de cristaux, plus boost. Ça va le tuer. Ouais, ça va le tuer parce qu'on va du coup s'imprégner. On s'apprête de 1, il prend les bonus, il le tue et lui va manger le 1. J'aimerais bien réussir à le faire. On dirait un banning de Starcraft, j'avoue. J'avoue qu'on dirait un peu un banning de Starcraft. Donc on lui donne 10 points de vie en plus. On tue derrière. Ici on imprègne un peu. Bah j'ai pas ces trucs qui imprennent pour faire manger les cristaux je pense. Parce que là il va pouvoir en manger 3 mais je suis sûr qu'elle va en manger plus tard. Ok, dernière vague. On essaie d'imprégner 3 fois. Et c'est parti. Du coup, l'œuf qui est clone devient une carte dans son deck après. Je sais pas, Arkis. L'œuf qui est clone, je sais pas du tout si ça devient une carte dans le deck après ou quoi que ce soit. On va imprimer ça, comme ça, ça va le manger. Comme ça, on saura. Comme ça, on va avoir l'info. On va prendre l'info comme on dit. Alors, c'est devenu quoi? Oh là, il fait quoi lui? Ninte. Cette unité peut subir 20 points de dégâts avant de perdre, frappe 2 fois par tour, n'a pas été invoquée, elle n'apparaîtra pas, dans une pile ne peut pas être gagnée infectée. D'accord, donc non, faudra la refaire à chaque fois. Il tape 2 fois, il a quoi? Chouchou, une unité ennemie, d'accord. Il a pas l'air. C'est pas l'air d'être Joel rigolo non plus. Ouais. DLC gratos ou non? Non. 10 balles, le DLC. Alors, imprégnation, extraction, fiche 8 fois de dégâts, octroie 2. C'est cool ça. Et là, on code des gens, on va passer. On va retirer des cartes. Que j'aime pour. Ouais, les stewards du coup. Hello Super GL, thank you. Thank you. Alors, octroie un cumul de fauchage à chaque application. Plus de points de vie, on devrait pas en avoir besoin. F3, 1. Cumul de... dans le chat dites bonjour à Monsieur Super GL qui est du coup un des qui est du coup Michel from Good Shepherd qui est du coup un des éditeurs. Oh la vache, ceux qui publient le jeu. Donc c'est pas dire bonjour au monsieur qui du coup qui a un peu permis de jouer à Monster Train qui est dans le chat. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à lui. Et il est déjà dispo. Il est dispo depuis 30 minutes derrière le 2HO, il est dispo depuis une petite demi-heure. Alors, donc, on va essayer pour le fauchage en plus, voir quand ça marche. Je vais purger une carte. And thanks for your game. And I'm sorry, my English sucks too.
Alors on va enlever un steward une fois. Et c'est pas mal. Donc voilà. Alors bim bim bim, on veut pas que ce soit plus fort. On n'a pas besoin d'argent pour l'instant, on va essayer de survivre derrière. Alors, ah oui, ils sont camouflés. Ah, j'avais oublié ce détail. Mais c'est pas grave. Oui, en fait, on peut quand même les cibler. Pardon. Ah, donc là, ils meurent bien tous, c'est parfait. Tu peux les mettre quand même en bas. Oui, du coup, j'ai mal joué. Pardon pour le misplay. Désolé, je misplay comme une sacoche moldave. Si, c'est ça. Pour lui, je veux dire, pourquoi il ne meurt pas, il va mourir. Il y a une nouvelle tribu, tout à fait. Descends un tout petit peu ta cam qu'on voit ton or. J'avoue, je peux descendre ma cam. Hop, je peux faire ça. Et voilà, comme ça vous allez voir mon or. C'est effectivement la nouvelle tribu avec les verts et qui du coup une nouvelle mécanique avec des échos chargés. Et du coup, c'est un trou à la base, je vais pas encore débloquer. Donc là, on a mangé. Si on apprenne, ça le tue. C'est le stress d'avoir quelqu'un qui joue au jeu dans le chat. Non, non, je vais être jugé en cas de misplay surtout. C'est le jugement en cas de misplay le plus dur. Ok. On va extraire. D'accord. Alors. Je comprends pas pourquoi il ne meurt pas. Ah, parce que lui les mange avant. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Parce que lui les mange. Mais oui. Mais oui, c'est bien sûr. Ça y est, j'ai compris. Oh là là. Mais oui, c'est parce qu'il les mange avant. C'est pour ça qu'il les mange avant. Bim. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus les bonus. Mais oui. Mais oui. Non, mais je comprends vite. Mais faut m'expliquer longtemps, hein. Et là c'est bon, il va pouvoir switch derrière. Et là ça va marcher, pardon. Non mais c'est bon, j'ai compris hein. Et là normalement il doit encore avoir des cristaux. Voilà, là il y a encore des cristaux, c'est bon. C'est bon. On va prendre à jouer trop vite ça, tiens. Ouh, j'ai compris. Et donc là, il ne meurt pas. Par contre, si on fait ça là. Bim. Ça là. Et bien, c'est pas mal. Il va mourir du 36 fois 44 avec le chauffage. Avec le chauffage, avec le truc, le fauchage, à mourir des points de dégâts avec les cristaux. Ok. Alors, octroi, 1. Oh, métier oublié, c'est sympa, ça fait de la mana. Ouais. Mais c'était le métier oublié. Ça c'est gratuit. Ça y est, c'est beau. Que la nature est verte. Alors, dupliquer, bof. On va voir ce qu'elle a boosté notre créature, peut-être. Ah, notre monsieur historien. Alors, tiens, je vais prendre le larcin. Allez, un petit larcin. Que la nature est belle. Eh oui, vive les dryades, vive la nature, vive l'amour. Et vive les gens. Qui est marchand d'acier. Ah, pierre d'écho, il n'y avait pas ça. C'est un nouveau bonus. Oh, pierre d'immensité, salut. Veux-tu voir ma grosse pierre? Allez, on va juste plonger une carte supplémentaire.
Il reste un steward. Très bien. Allons voir Arcus. Les clois noirs et les clans noirs. Ok, here we go. Merci Maturi80 pour le 8e mois avec Gaming Prime. Merci beaucoup. J'aime vraiment bien la musique de ce boss, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Et là du coup il va manger les petits les éclats. Alors c'est quoi? C'est quand... Oh, quand je lance des sorts c'est de plus en plus cher. Quelle arnaque. Voilà, on va peut-être pouvoir imprégner par là du coup. Ok. Sort 4 vagues avant Jean Didier. Donc on peut imprégner une fois. Deux fois. Trois fois. Voilà, comme ça c'est bon, il va. Je suis pas du tout le prochain tour, enfin soon quoi. On s'est compris. Ok, c'est tourné, ça va. Donc là il va pop. Voilà. Puis on peut jouer dessus quand même, histoire de. Voilà, et là du coup, on est vénère. On se vénérifie. On se vénérifie avec lui. Du coup, un mana là, imprégnation. Du coup, plein de mana. C'est ouf parce qu'en fait là il va prendre du coup 123. Ah oui, mais il y a vraiment moyen de. C'est bon, je commence à comprendre vraiment comment ça marche. Alors j'ai vraiment pour les boss, t'as moyen d'aller les chercher. Tu mets les diamants, tu le bourres derrière. T'as vraiment moyen de faire des trucs ultra sympathiques. Mais comme on dit, hein, il comprend vite, mais faut l'expliquer lentement. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est vraiment bien cette mécanique. J'ai mis quelques moments avant de vraiment la visualiser. C'est vraiment cool. Voilà. Ah ouais, du coup il y a tellement de trucs avec les bonus là, même si tu tout le monde, ça explose direct derrière. Nice. Alors, on fait un campage et plus de mana. Ah, un peu plus de place, tiens, pourquoi pas. Allez, on va aller par là. Un peu plus près des étoiles. Fauchage 6, très bien. Nanana. Améliore un sort pour pas qu'il revienne. Tiens, tiens, tiens. Salut. Et un moins 1. Oh, le gel à moins 1, c'est toujours une valeur sûre. Il y a bien un truc à purger dans tout ça. Ouais, eux, les autres, finalement, sont pas aussi bien que ce que je pensais. Très bien. Allez, allons voir ce qui se passe par là. Alors, le pénitent, jouer une carte flou en faisant un point de dégâts unité en première ligne. Ouais. Les unités alliées gagnent, ouais, pour chaque fléau. Et 3 cartes pouvoir. Ouf, non, pas ouf. Rien qui va pas ouf, rien qui me tente. Allez, petit combat.
Et on va pas besoin de gagner les 400 galles. Alors. Are you winning, son? I am winning. Ouf. J'ai plus de mana pour la coquille, quelle âne! J'ai une catastrophe, moi, des fois. Salut! Voulez-vous voir mon Shabadabada? Shabadabada? On défense tout le monde. Moult mana. Pourquoi pas. Et on va prégner par là aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Ok. T'as eu un petit peu tard, mon petit, je pense. Ouais, un petit peu tard. Quoique. Pourquoi pas. Voilà. Au moins, il met du fauchage pour plus tard. On met du fauchage pour plus tard. Voilà. Bueno. Ok, passez tranquille. Malgré mes multiples erreurs, on compromet le bousin. Extraction de 3 fait 3 étourdis à unité. Waouh. Étourdis 3, c'est Hudge. Les 3 c'est Hudge. Allez. Pas du piqué. Allons du pique, c'est gratuit. Regardez où on va voir les artefacts. Alors, au début de chaque combat, ajoutez 2. Waouh! Charge de base trop fort! Avant chaque combat, met le point de vie de brasier à 30. S'il détruit, s'il les réduit, entre 3. What? Ah oui! Ah oui! La thune! Ah, est sympa les nouveaux artefacts! Que fait la nouvelle race en particulier? Alors, elle met des cristaux. Tu vas voir tout de suite. Elle met. Tu vas voir tout de suite. Il met des cristaux. Voilà, comme tu vois là, et en fait, après tes unités sont boostées en fonction des cristaux qu'il y a. En gros. Je ne sais pas, en gros, c'est ça. C'est complètement ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il les mange. Ah, mais j'ai pas mis chef épine, mais je suis teubé. Je suis totalement teubé. On gagnerait 2 mana là. Marmotte, l'extension me faisait de l'œil pour la bête ouverte. Tu as pu te faire ton pion dessus. Bah écoute, Nicolas, vu que c'est ma première partie avec l'extension, c'est encore un petit peu tôt pour l'instant pour avoir une vraie opinion. Il va continuer à manger. Miam miam miam. Il y a bon cristaux. Ouais.
so what? Plein de cristaux. Ok, ça meurt pas. Si ça prend par 11. On va essayer de me mettre les points de dégâts là-dessus. Allez. Pan. Très bien. Fait venir du monde à la maison, le coquinou. Fait venir du monde à la maison. Très bien. Ça met un peu la sauce. C'est limite les dégâts là-dessus. Bonjour, j'ai oublié que les musiques de base c'était bien. Ouais, c'est cool. Hop, on peut le mettre là. Un peu d'argent, mais il ramène des stats. Ok, 239, c'est énorme. Pas encore optimisé tout ça, mais au moins on se fait déjà plus plaisir. Voilà. Ok, c'est bon, on arrive à commencer à mettre des points et tout, parfait. Tranquille. Pan. Et pan. Et repan. Et repens-toi, j'ai dit. Bon, du coup c'est passé tranquillement. C'est passé tranquillement. Bon, du coup, j'ai compris un peu comment ça marchait cette faction. C'est assez plaisant. Alors, donc là, théoriquement, on a terminé. Voilà, donc ça, c'est une run classique du jeu. Je sais qu'il y a notre boss final. Mais je sais pas comment on le débloque. Maintenant, faut essayer de trouver comment on débloque le. Parce que je sais qu'il y a un maxi boss sur 3 étages. Je ne sais pas comment on le débloque. On va débloquer une nouvelle carte, c'est vrai qu'on débloque une nouvelle carte. Une carte supplémentaire dans chaque pack de tirage aura imprégnation. D'accord. Niveau 3. Inflige de faiblesse au corps à corps. Augmente de. Ah, de 1 minute plus, même temps sympa. Ok. Nouveau record, tout ça, tout ça. Et voilà, du coup. Boum, boum, boum. Oh là, avec tous les nouveaux trucs. Avec tous les nouveaux. Tout nouveau type de victoire à tout moment. Il faut tout refaire. Maîtrise de carte divine. Élimine la dernière divinité pour atteindre la maîtrise divine des cartes de votre deck qui débrouille un tampon spécial. Mais justement, où elle est la dernière divinité? Et là du coup d'accord, tu retournes au jeu de base, la dernière divinité. Justement, je la cherche cette dernière divinité. Où est-ce qu'on peut la voir? Pour débloquer le maxi boss, faut prendre des risques. Mais je sais pas comment on débloque le maxi boss. Justement, j'ai encore le temps de chercher un petit peu, mais ça m'intéresse. Comment on peut débloquer le maxi boss? Je t'explique en gros. Je veux bien que tu m'expliques, Jocolite, comme ça j'aurai le temps peut-être de le montrer avant la fin du stream. Je veux bien que tu m'expliques. Et on va faire ça pour aller les cartes colorées. Du coup on garderait ça. Lance enchantée, ok. Tiens, pourquoi pas garder ça. On garderait ce peuple du vert. Alors bonjour Artfell 64 Love DC Comics. Bah t'as bien raison de Love DC Comics, et surtout en ce moment. Bim. Une nouvelle faction, tout à fait, le peuple des verts et un true last boss que Jocolite va m'expliquer comment essayer de débloquer, comme ça je pourrais essayer de vous le montrer avant la fin du stream, parce que moi ça me fait plaisir. Alors c'est une extension, une mise à jour avec une nouvelle faction, c'est une extension avec une nouvelle faction, des nouveaux artefacts, un nouveau true last boss et tout. Alors. Une nouvelle compo qui permet de rendre la partie plus difficile, je sais plus le nom des cristaux ou autre, et si on en a au moins 25, ce sera en difficulté max, d'accord. Pour ceux qui se posaient la question pour Black Legend tout à l'heure, il vient de sortir à 27€. Merci. Ah, ça doit être ça, la nouvelle faction, nouveau truc qu'on n'avait pas.
À mon avis, ça doit être ça. À voir. On va voir, on va voir. Allez, à ça, éclat de pacte. Voilà. Plus vous récupérez d'éclats de pacte, plus vos ennemis seront redoutables. Récupérez-en 100 avant la fin de la partie pour déverrouiller l'ultime combat. Donc en fait, il suffisait d'être en mode 1 de difficulté. Ce sont les éclats de pacte, il vous en faut 100. Rien que ça. Eh ben. Ça va être chaud. Acceptez les éclats de pacte et changez de complan. Si vous analysez 100, vous dévouez l'ultime combat. Ah! Et du coup, regardez, voilà, tous les tours on peut en avoir, faut tous les prendre. Oh, c'est trop bien! C'est une super idée ça! C'est une super super idée, j'aime beaucoup! Ah, super super idée! Plus les ennemis avant le boss, plus le boss sera puissant, inclus, d'accord. J'adore, j'aime vraiment bien. Ok, plus de puissance magique, pourquoi pas? On va se battre. D'accord, niveau de masse, plus vous gagnerez éclat. Ok, prenez une passe moyenne. Et du coup, on n'aura pas d'éclat de pack. Très bien, on va essayer ça. Allez. Pour l'instant, comme on dit au début, pour l'instant tout va bien. Ok. Ah, c'est vrai que son imprégnation, ça c'est cool. Et bon. Très bien. On récupère les bonus. Alors. Inflige 4 de fauchage aux unités ennemies, stylé, confère imprégnation aux cartes en main, pas dégueu. Offert les colliers. Et. Ah oh, imprégnation, perce armure, 8 points de dégâts, 2 fois 16 de dégâts pour 1. Allez, c'est validé, en attendant. Alors, ici, accepter des éclats d'échange de sorts ou améliorer une unité associée. Donc, on va cliquer dessus. Ah! Et du coup, il nous en faut 100! Oh, j'imagine qu'il faut toujours prendre le choix là. Hein. Trop bien. Ah, on peut faire ça aussi et ça? Ah, yes! Ah, d'accord. yes! Très bien. C'est quoi la mécanique de la nouvelle faction? C'est tu joues des diamants qui te permettent de booster tes créatures. Voilà en gros. Ça c'est la coquille 5 là. Boule de feu 5, c'est ouais, pas ouf boule de feu 5 quand même, surtout quand on a ça à côté. En fait t'as 38 x 2 ou 5. Allez ça dégage. Ok, on va continuer à purger. Alors attends, après il y en a encore 1, 2, 3, je regarde pour voir combien parce qu'il faut qu'on monte à 100. On s'arrêtera à 100 hein. Ok, on va voir si on arrive jusqu'au trou last boss. Ah, je suis hypé. Ah, j'espère qu'on va y arriver. Oh, j'aurais le seum si on n'y arrivait pas. Sachez-le. Ouais, ouais, les monstres deviennent plus forts. Ok, extrême ici.
Donc pour l'instant ça reste raisonnable. Là ils sont quand même plus forts. 7, 14, 19, 24. Oh la vache. Ah ça rigole pas du genou. De l'extrême au deuxième coup. Ah oui, mais je suis un fou, moi j'essaye, je découvre. Vous pouvez me juger, mais je découvre. Ah, je suis battu avec le man. Ah, peut-être un peu chaud ce que j'ai fait. Bon, c'est possible que je me sois un peu emballé. Non mais j'admets. C'est possible que je me sois un peu emballé. Non mais je découvre. En tout cas c'est une vraie bonne idée. Ah. Je trouve que c'est une vraie bonne idée. C'est pas ça que je crée. Alors on va passer par là. Ah, c'est trop bien, c'est gratuit en plus, je valide. On va par là. Ah, cette femme dégage une certaine tension. Bon. Ça va, on est toujours en extrême, ça change pas. Mais ça va, au-dessus de 50% c'est extrême, donc tranquille. Je vais voir si on peut pas monter à 100 tout de suite. J'aurais dû le faire avant, je suis con. Tiens. Alors. Parfait, on est extrême, mais non, tranquille. On a mis une... C'est bon, ils peuvent plus être plus durs maintenant. Si on survit, c'est que du bonus. Mais non, mais je suis pas fou, c'est calculé là. Il y a une strat, vous la connaissez juste pas encore. C'était pas une strat. Elle est calculée. Elle est calculée, il y a une strat. Non, si, je vous assure qu'il y a une strat. Vous en êtes peut-être pas compte, mais c'est straté, hein.
Oh lol! Oh, lui pousse mieux dans les orties quand même. Tape K4, peut-être le faire monter. Tiens, monte. Comme ça, il switch là. Et bim! Dans la mouille. C'est réglé, sur rien. Très bien. On va voir Talos, on va voir Talos. C'est bon, ça passe. Avec talent et sans coup férir, voilà, c'est bon. Stratégique, là, ça passe. Pardon, hein. Revoit 5 sorts détruits au-dessus de votre pioche. Bof, double à côté de rage, bof, on garde l'argent. Bonjour, Murloc. Alors c'est quoi tout ça? Imprégnation, inspiration, 2 et 2 d'armure, c'est cool. Extraction de... What? Quoi? C'est quoi cette merde? Bonjour. Elle est trop mignon. C'est quoi ce clan? Ce clan met des cristaux sur les niveaux et après utilise différentes capacités avec ces cristaux. Voilà. Master 5 points de vie, vengeance, inflige 5 de fauchage. Là, c'est pas ouf, il est trop cher quand même. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi comme jeu? C'est Monster Train, c'est mon deuxième roguelike card game préféré après Slay the Spire, qui est sorti l'année dernière. Je dois avoir quasiment 200 heures de jeu dessus maintenant. Il y a le premier DLC qui vient de sortir là, il y a une heure à peine. C'est son premier DLC qui vient de sortir il y a une heure, voilà. Et le but, c'est que tu es dans les enfers, tu es dans un train dans les enfers et tu dois protéger le cœur du train pour aller ranimer la flamme des enfers qui ont été éteintes par les anges. Si tu as le Game Pass, le jeu est sur le Game Pass. Le jeu est sur le Game Pass si vous le possédez. Peut-être plus de mana moi avec mon jeu, je pense. Plus de mana ou plus de place? Ah, plus de mana quand même un peu. Alors, ici, donc, il n'y a plus besoin d'utiliser le temple divin. Un artefact, un corps nu, on vire deux cartes, c'est pas dégueu, hein. Ouais, un sort qui fait monter une sorte d'unité tour d'idée aussi appliquée. Ouais. Cette fauchage 2 est vraiment pas incroyable. Pour 13 là, trop chaud. Trop cher. Ah, frappe multiple. Tiens. Tape à 40, Jean Didier. On va bien le... Bien sûr, plus qu'avec. On est déjà en extrême, pas besoin de rajouter davantage. Mao, t'es déjà un joueur à Atropolis. Oui. Ouais, j'ai bien aimé. C'est compliqué cette histoire. Genre lui se déboîte, lui derrière aussi.
Ah, il monte tout en haut, quel con, je suis teubé. Oh, quel âne. Je suis vraiment un roi des ânes, moi, des fois. Okay. Merci le fléau. Coucou maman, tu vas bien? Quoi, la soirée Warhammer Total War avec toute l'équipe Alpha Maf. Alors, le fléau, ça devait être la semaine dernière, mais ils ont fait du Valheim. Et ce dimanche, ce sera du Space Marine qu'on fera. Non pas du Warhammer Total War. Histoire de changer un petit peu. Et du coup, dimanche. On tape trop fort, on va le monter. Voilà. Et on a un prêt, hein, c'est toujours mieux que rien. Allez. On casse tout ça, tous ces margoulins. Parlant de margoulin cassé, on va faire ça. Voilà. Prends 30-30, ouais. Ok, boss final, on va essayer de s'en occuper. Voilà. Du coup, 76. Ok, good. On n'a pas les meilleurs sorts, mais pour l'instant, piano piano, on s'en sort. Alors, infliger les destructions 13, c'est pas ouf. Remplissez. Ouais, pas incroyable. Envoyez une carte de votre main, inflige. Improvisation 1 et destruction. Bof, on va gagner. Les cristaux s'en servent pour se buffer, c'est ça. Soit ils se buffent, soit ils s'en servent pour mettre des malus sur les créatures adverses. Donc, si, t'as bien compris, Nitro. Ah, qu'est-ce que de quoi qui. Ah, pour me présenter. Alors, bonjour. Une messe sur réapparaît. Attention que c'est égal, toujours aussi intense. Je pense que c'est mon moment pour me présenter. Je suis Malika. Et vous le savez déjà. Enfin, vous auriez. Si cette boucle ne vous aurait pas tous prisonniers. C'est pénible, en tout cas, oublier le brasier. Ce que notre âme est bien plus amusant. Non, je pars. Je ne veux pas, je suis déjà à 100 sur 100. Leave me alone. Voilà. Steward, au bout d'un moment c'est pas incroyable. Et ça, faudrait que j'arrive à avoir d'autres cartes qui augmentent le fauchage par contre. Peut-être ici. Frappe multiple. Pourquoi pas. Ah, salut. Tu peux aller plus de 160. Oui, oui, tu peux aller au-dessus. Mais comme je découvre là, je vais pas tenter pour l'instant, mais tu peux aller, aller plus haut. Je vais cliquer là-dessus, t'as plus 10 et tout, mais j'ai pas envie de tenter plus ma chance pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de découvrir le boss final. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de tenter le boss final pour le moment. Ok. Trop chiant à taper lui.
Aïe. Ah oh. Ah ah oh. Un petit peu d'argent. N'empêche, le petit 76, moi il me régale à chaque fois. Bonjour. Je pense que ça meurt et puis on récupère, oui. C'est un peu ça. C'est un peu coquille. Elle est comment la coquille? Saint-Jacques. Allez. C'est des boîtes. 3-3-3-3-3, c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire monter lui aussi. Y'a pas de raison. Ah, y'a pas eu de haine, y'a plus d'impression. Alors. Toi tu montes. Voilà, très bien. Imprégnation, on le fait monter lui. Comme ça, ça a fonctionné là. Ici, il ne se passe rien. Ok. Alors, on a la dernière vague, donc c'est parti. On fracture, on refracture, on brise une fois, on brise une deuxième fois. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Bien, et boum. Je veux voir le True Last Boss. Je veux voir. 8 x 2, 16. Octroie 2 trucs. Très bien. On avait un jour des damnés. Imprégnation qu'on fait. Ah, 4 de rage et 5 d'armure. C'est pas dégueu ça. C'est un embrasement. Donc là, c'est différents autres bonus. J'essaie de booster des sorts, voir dans la caverne dissimulée, est-ce qu'on peut choper? On renouvelle. Ah! Pourquoi pas? Ouais, mais c'est pas très utile, c'est comme l'autre sort, donc c'est un peu nul ça. Des fois je fais des trucs, c'est un peu pourri quand même moi. Voilà, on se tire. Allez, Fell. Oh. Ah non, là j'avais oublié la récompense. Bonjour Grisen. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme récompense ici? Ah, les crampons. Oui, les crampons des gardes stygiens, les biens. Gelure et affaiblissement. Allez, un petit coup de crampon, on est reparti. Allez. Et on a... Allez, je commence par un châtiment ultime. J'adore. C'est bien ça. Pas trop cher, ça tape ça et puis ça donne des frappes pour ça, donc c'est cool. Et ben merci pour les 300 bits, pour la marmotte comme on dit en Suisse, merci beaucoup. 300 bits, incroyable. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire monter quelque chose ici? J'ai tourné de quoi ça? J'ai peur de. Allez, relouitude de dépenser de l'argent.
on va déjà dépenser ça. Ok, ça y est, on commence un peu à réussir à bolosser. On a eu ça qui a pop. x2, 96, c'est ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai, le faire pour lui donner les bonus. Tant pis si on prend les 4 points de dégâts. Coucou Lane. Pourquoi je dis coucou Lane alors que tu es déjà là? Re-coucou Lane. Tu sais, voir la marmotte dorée, ça m'a perturbé. La marmotte dorée, ça m'a... J'étais plus bien. Allez. Ok. Encore 4 points, très bien. Soit 2, c'est pas mal. Ok, reste une vague en plus. On connaît pas ta place aussi. C'est parfait. Allez, dernière vague. Let's go, ça met la sauce. C'est bon, on va l'avoir difficilement. Mais ça va passer, je crois. C'est bon. Pas fier, mais c'est passé. Tant mieux. Pas fier, mais c'est passé. Allez, toujours en route pour essayer d'avoir le true last boss. Destruction inflige 4 fois pour ça que vous avez dit, c'est nice. Quart de plus, c'est nice. Et encore, elle revient toujours. Je suis Malika le titan, un juge plus précisément. Non! C'est moi, c'est vrai que les pouvoirs ne sont pas des règles sur la maturité des nœuds, ce serait trop travail. Je serais ça de bon vieillard, sinon j'instaurerais des lois naturelles avec la réalité spéciale à la perception du temps. Non. Vous ne mourrez pas, madame. Allez, du coup, on est bientôt à 100. Ah, du coup, on n'est plus qu'élevé. Avant, on était extrême, on est passé élevé. Marrant. Marrant. Passer par là. Cet artefact. Une carte. Ouais. Ah, appuie sur le bouton, créer une carte. Bon, allez, on appuie sur le bouton, hein. Gelure. Et dégâts. Descente. Merde, je misclic. Waouh. Ah bah oui. Purée, stylé la création là. Waouh. Tu as bien boosté ça tout de suite. Retourne main. Allez.
J'aurais juste été mieux si ça avait marqué descente et pas montée. Si j'étais pas à moitié teubé. Hein. Allez, frappe, inspiration. Santé comme était beaucoup mieux si j'étais pas teubé. Parce que des fois je me fatigue. Et du coup, niveau de menace, ça a baissé. Cool. De toute façon, la vie est mieux quand on n'est pas teubé, hein, je tenais à vous préciser. Quand même des versions élite un peu vénères du boss, mine de rien. Je dis ça, je dis rien, mais il y a des versions un peu vénères. Très bien. Gratuit. Aïe. Quel con, je viens de comprendre. On est bien. J'aime quand t'as plan 0 sans accro. Marmotte, parce que tu penses retourner sur Magic Arena. Bah, en fait, je ferai Jan Event sur Magic Arena vendredi. Bah, du coup, là, je casse avec Valépelle demain. Samedi 3 avril, je fais un petit draft avec plein de monde. Je vous en reparlerai, ça pop aujourd'hui sur Twitter. Mais est-ce que je streamerai régulièrement du Magic Arena? Non. Même si je continue à jouer hors stream, tout simplement, je vais pas te le cacher, Nagram, parce que ça ne marche pas sans stream. Et c'est quelque chose que je peux pas me permettre de faire. Tout simplement parce qu'il y a. Magic Arena en général, comme Runeterra, ne fonctionne pas très très bien en stream. Et je peux pas. Je ne peux pas plus en faire que ce que je. Voilà, je peux pas spécialement en faire. Ok, on le défonce. Très bien. Allez. On a surtout ne pas le faire monter en fait, sinon MDR. Ok, c'est bon, les. Allez, on va pouvoir voir le Trulas boss pile poil à temps. On peut avoir le Trulas boss, c'est ça qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut battre d'abord Séraphin de tête. Quel âne. Peut-être que je batte d'abord Séraphin. Mais en mode, ta viande préférée dans le couscous, c'est quoi? La merguez, évidemment. Ah non, la brochette, je suis bête. La brochette. Je vais dire une bêtise. Allez. On est reparti. Je pense qu'il faut battre Séraphin, malheureusement. Malheureusement ou pas, hein, d'ailleurs. Il a combien de formes Séraphin? Avec le free LC qu'il y a eu. J'ai un doute.
J'aurais dit 4 ou 5. 4 maintenant, 5. Ok, destruction en premier sort, j'adore ça. Il faudra bien que je fasse gaffe. Qu'ils ont rajouté. J'ai pas forcément besoin que ça revienne, si ça a besoin que ça revienne. Retournement, ça remonte, machin, on prend 21. Lui meurt comme ça avec le gel et tout le reste, yes, c'est bon ça. Je peux avoir le choix, c'est relou. Je peux le faire monter, tant pis. On perd le spell. Alors là, on détruit tout, il prend 210. Étourdi, étourdi, tape 14. Allez. Comme on dit, tout ce qui est mis n'est plus à mettre. Tout ce qui est dit n'est mis n'est plus à mettre. À prendre 32, ça imprègne. On va tuer lui à prendre 64. Let's go. Et encore 3 vagues. Pourquoi ton monstre est tout le temps t'inquiète, essaie de me rassurer. Ce qui est gentil de sa part. Il me dit t'inquiète, on va pas mourir maintenant. Voilà ce qu'il me dit. Parce qu'il est beaucoup trop gentil. Moi je sais que ça va être la merde. Mana qui m'a dilité. Oh, je crois que j'ai craqué. Tellement le pire séraphin quoi.
Putain, il prend que 136, quel calvaire. Ah, je pense que j'ai ruine. J'ai tellement ruine. Terrible. Oh non. Ah, on verra tellement pas le trou last boss. Et bon, on ne verra pas le trou last boss, ça rien. Aria! Non! Oh, j'y ai cru! Nous ne verrons pas le trou last boss. Ça vaut level up. Ah! Ok, je sais pas ce que ça fait, à quoi qu'on vise, ça va être stylé. On va tirer 3 coquilles d'un œuf. Allez, on fera un jeu thématique. Eh bah, YouTube! Désolé! De l'amour.